Salut à tous! Bienvenue dans un nouveau tuto de Harry Bricole. Pour tous ceux qui ont déjà eu ce problème, c'est un problème récurrent, d'avoir un ballon dégonflé. Faut pas jouer avec ça. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer comment regonfler un ballon. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'une pompe. Alors là, ça c'est une pompe spéciale Wilson pour les ballons. Mais ça marche avec n'importe quelle pompe, une pompe à vélo, ou même un compresseur si vous avez ça, là, si vous avez des bricoleurs. Et très important, une pine spéciale. Donc, si vous regardez bien cette pine, elle est longitudinale. Et il suffit de la visser. Le pas de vis, c'est un pas de vis standard. En général, ça marche dans n'importe quelle pompe, hein. Il n'y a pas de problème. Montre ça. Et super important d'humidifier. Donc vous pouvez le faire avec du WD-40 ou la graisse régulière là, mais moi, petit truc de base, un peu de salive, ça marche. Vous pouvez pas rentrer la pine dans n'importe quel endroit du ballon, hein. Il faut vraiment localiser l'endroit où vous pouvez rentrer. Donc ça aussi c'est standard, et vous allez trouver un petit trou dans votre ballon ici. Alors, moment critique. Il faut vraiment le rentrer au milieu. Hop! Rendu là, vous pompez. On va le faire en accéléré parce que c'est un peu plus chiant là, mais... En général, 40 coups suffisent pour avoir un ballon. Faut savoir que la pression d'un ballon, ça se mesure en PSL. Pour un ballon de soccer, en général, 90 PSL suffisent. Un ballon de basket, c'est un peu différent. Là, la pression officielle, c'est du 84. Et voilà! Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto de Harry Bricole. Et salut!